faire un maximum. L'intersection des pistes de Mose qui allonge un petit peu le tir maintenant à son extérieur. Beckman, le numéro 13. Troisième position pour Prama Dijon qui sort l'ordre, bien sûr, sur le retour au bar. Le numéro 3 est quatrième devant Red Allen à la Dorme, Super Vader. Il est temps de rester dans la bonne cadence, c'est un petit peu plus loin que le podium. Il n'y a pas eu d'attaque pour l'instant en épaisseur. À moins de 500 mètres à parcourir maintenant. Pour les contre handicap des équipes avec Mose qui réaccélère. Prama Dijon qui lance son sillage. Beckman qui a du mal à suivre l'accélération du premier alors que Red Allen a un peu passage à la fin. Faute de Prama Dijon à Red Allen n'a pas été heureux de retour. Elle a réussi à réduire la manœuvre au retour. Vincent Holmholz, il remet les pendules à l'heure, enfin il avait déjà été bon ces derniers temps, il a eu un passage à vide, qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, il a fait un coup de sang cet hiver, tout s'est mal passé, quoi. Voilà, bon, c'est ça les chevaux. Hein. Là aujourd'hui, Christophe l'a drivé très offensivement, c'était les ordres? Ouais, parce qu'on avait fait un petit peu de papier avec Christophe et il m'avait dit qu'il y a beaucoup de chevaux qui devaient cacher, donc comme il parlait devant, on n'a pas hésité. C'est quand même un cheval qui a une drôle de pointure, on peut dire qu'il est en retard de gain. Ouais, non, c'est quand même. On en veut plusieurs des comme ça dans les boxes. Non, c'est un super cheval. Yeah.